Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Mulhouse, chez IKEA. Je vais faire un petit tour pour voir les nouveautés, les arrivages et on se retrouve à l'intérieur du magasin. Alors, la dernière fois, j'avais eu un retour concernant ces meubles. Donc là, je suis du côté meubles, hein. Meubles salon ou même, enfin, tout dépend de où est-ce que vous souhaitez le mettre. Même au niveau des chambres, c'est le modèle Besta. Alors moi, je l'ai celui-ci en blanc. Donc j'ai les mêmes, moi aussi. En fait, j'ai pris ces deux colonnes qu'on peut assembler ensemble, en fait. Elles sont trop belles, j'aime beaucoup. Donc tout en blanc, moi je les ai, et on les retrouve en coloris, en plusieurs coloris. Donc c'est une finition laquée. Et là, on a également la petite vitre fumée. On a le choix, c'est ça qui est bien dans ce modèle. Et bon, après, au niveau prix, pareil, on a pour tous les prix. Moi, j'avais acheté la colonne. Ah, je sais pas si je vais le retrouver, le prix, attendez. Ah, bah je vais voir juste là. Besta... Le prix complet 60 par 40 et 128, il fait 90 euros. Donc là, les portes sont vendues séparément et on retrouve que les caissons. Mais je voulais vous le montrer parce que je le trouve super joli. Donc là, blanc, beige. À côté, on le retrouve également dans les nouveautés. Celui-ci est à 445 euros. Donc là, c'est le prix complet. Hein. Il est super haut. Donc il y a 1, 2, 3, 4 cases, enfin entre guillemets, si je peux dire, 4 caissons, si on peut dire, par colonne. Donc ça en fait 8. J'aime bien le petit côté fumé noir également, qui est très sympa. Donc là, c'est les nouveautés au niveau de la finition du coloris. Là, c'est un vert foncé. Et là, au niveau des rangements en bibliothèque, on a également ce modèle. C'est le modèle Billy. Hein. Je le trouve super joli. Et là, alors, les modèles Billy. Il est à 119,99€. Et on a, en fait, ça c'est le prix complet, hein, vraiment de toute l'armoire. Parce que sinon, la bibliothèque 80 par 28 et par 202... de hauteur est à 39,99€. Donc là, on a le prix des deux colonnes avec les vitres. Les vitres seules sont à 40 euros. 40 par 192 au niveau de la hauteur. Ensuite, je continue. On a ce joli modèle. C'est le modèle Avsta. Il est magnifique. Donc là, c'est une très très grande bibliothèque. Elle est trop belle. Rien à dire de coloris gris. À 610 euros, donc là c'est le prix complet du modèle, 203 par 212 par 47 cm de profondeur. Donc là ils mettent fabriqué en bois issu de sources gérées durablement. Donc le modèle c'est un gris clair, vous avez vu au niveau des poignées, la petite finition comme ça au niveau des vitres, c'est super joli, j'aime beaucoup. Et là également dans les étagères qu'on peut mettre au niveau des salons, on a ce modèle, donc là c'est le modèle Avsta. Alors, je vous dis, armoire avec plinthe, 81 par 89 par 47, à 145 euros. Et là, on a le modèle Avsta avec les vitres, hein, vitrées, à 175 euros. 81, 123 par 35. Moi j'aime beaucoup quand il y a des vitres comme ça. C'est très joli. Les vaisseliers comme ça, c'est vraiment joli. Ensuite, pour celles qui aiment le côté bois, bois un peu plus naturel, on retrouve ce modèle. Donc là, c'est le modèle Emness à 349 euros. Et on l'a également en blanc. Alors, je veux juste vous dire, 90 par 197, pardon, en blanc. 349, le bois massif présente un aspect naturel. Et c'est vrai qu'au toucher, on le sent vraiment. Il est super joli. Donc là, trois tiroirs. Et deux portes vitrées. Alors dans le modèle Emness, on a également celui-ci qui est très sympa aussi parce que là c'est des portes coulissantes à 249 euros, 120 par 130. Là le modèle est blanc. Alors il existe, ils mettent en finition, il y a plusieurs coloris en fait. Tout simplement, c'est écrit hein, coloris, mais je ne sais pas en quelle couleur. Sûrement en bois naturel. Il est trop beau. Là, au niveau des poignées, vous avez vu comment c'est. Et on a trois étagères. Alors, celui-ci, je voulais aussi vous le montrer. Il est trop beau. J'aime bien la couleur. C'est un coloris crème. Le modèle, c'est l'Omarp à 329 euros. Il fait 86 par 199 cm. Donc, 2 mètres quasiment de hauteur. Très joli. Très joli vaisselier. Et donc là, le petit détail des poignées. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup. Donc là, c'est une nouveauté. Hein.
Alors, pour ceux qui recherchent des petites bibliothèques, on a ce modèle, c'est le modèle Brusali, à plusieurs étages, 67 par 190 à 89,95 €. Donc là, c'est un modèle blanc. Vous avez vu, il est pas. On y retrouve en fait, voilà. Comment on appelle ça? J'allais dire. C'est pas du blanc, blanc, blanc. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait, dans le sens où il y a des petits tons gris clair. Et également pour ce modèle, donc toujours dans la même gamme, à 139 €, 80 par 190. Donc là, les portes, voilà, c'est deux petites portes avec deux étagères à l'intérieur. Alors là, dans les nouveautés, on a ce modèle qui est super sympa. Là, les portes sont en liège. Ils mettent des tablettes en verre. Alors, créer un reflet. Oh, bah, c'est marrant parce que je vois pas de tablette. Alors, peut-être à l'intérieur. Ah oui! Oh là là, c'est magnifique. Ah ouais, il est canon. Franchement, rien à dire. Il est super beau. À 399 €, 75 par 181 et par 35 au niveau des dimensions. Donc là, il y a un peu de monde, je suis désolée. Je voulais vous l'ouvrir pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Il est super beau. Ah, rien à dire, la nouveauté là, elle est voilà, nickel. Franchement, j'aime beaucoup le style assez. C'est très, très original. Ensuite, bah, dans les étagères, on a également armoire, étagère, hein, ce modèle qui est super joli. Donc là, tout, c'est toute une vitrine en fait, hein, au niveau des portes. 349 €, 96 par 2,14 m. Là, c'est super haut. Voilà, au niveau des infos. Et là, les étagères sont également en verre. Et c'est deux portes, hein. On retrouve le modèle Brimness ou Brim, je ne sais pas comment on le prononce, 80 par 190 de hauteur à 139 €. Et là, on a également au niveau du haut, c'est des étagères en verre. Et c'est deux portes, hein, pour ce modèle. Je vous précise deux portes parce que parfois ça peut être quatre portes également. Alors ici, c'est le modèle Stockholm, 90 par 107. Donc là, c'est du plaqué noyé à 369 €. Donc là, c'est deux tiroirs au niveau du bas. Si je dis pas de bêtises, alors attendez, je vais regarder parce que je dis deux tiroirs, mais ça se trouve. Ah oui, c'est bien deux tiroirs. Ouais. C'est le système push-up, je ne sais pas si je le dis, enfin, si c'est vraiment ça le nom. Voilà, donc là, pas de poignée pour ce modèle. C'est vrai que là, le coloris, il est super joli. Ensuite, là, on a une belle vitrine également. C'est le modèle Malsjö. Je ne sais pas si je le prononce correctement également. 130 par 141. Donc là, c'est un modèle noir à 399 €. J'aime beaucoup parce que ce modèle est également, c'est des portes coulissantes, hein, au niveau de ce modèle. Donc là, une, deux, trois étagères. Il est super beau. Et on a du choix, hein. Là, je fais un petit aperçu de ce qu'on retrouve, mais il y a du choix. Dans la même gamme, on retrouve celui-ci. Donc là, c'est le meuble bas à 399 €. Deux tiroirs. Et là, c'est des portes coulissantes au niveau du bas. Donc deux étagères. 145 par 92 au niveau des dimensions. Alors ce modèle, je le trouve super joli. C'est une étagère, hein, mais vraiment, elle est très belle parce que j'aime bien la finition bois. C'est un beau bois en plus. Et le côté métal. Donc à 119 €, c'est le modèle Jalbo. 100 par 136 au niveau des dimensions. Et juste à côté, on a l'étagère un peu plus simple, dans la même gamme, à 69,95 €. 51 par 136. Alors, dans les petites armoires, on a ce modèle également. J'aime bien parce qu'il y a une petite finition plainte en bas. Donc, 121 par 89, 47 cm de profondeur à 200 €. C'est le modèle Afsta. C'est un beau coloris gris clair, porte coulissante. Voilà pour ma vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a
plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et je vous dis à très vite pour les nouveautés.